Merci de nous recevoir chez vous, Guy. Bienvenue. C'est très beau. Très grand. On a agrandi récemment. On s'est fait poser une petite cuisine. Tu te tiens souvent au Mont-Royal Hot Dog? Ou c'est pour nous que tu es venu aujourd'hui? C'est pour vous. Et tu ne manges pas d'hot dog habituellement. À deux estimés, on mange des hot dogs ensemble. Comment ça se fait que tu ne manges pas d'hot dog avec moi aujourd'hui? Es-tu dédaigneux, toi? Oui. Moi, plus que toi. C'est de la charogne. Puis j'ai arrêté d'en manger. Je fais juste boire ton hot dog puis l'écart. Ouais, moi aussi, mais j'en aime un show qui s'appelle. Puis j'en pis, je me suis réessayé, tu sais, peut-être depuis les 30 dernières années. Chaque 10 ans, ça m'écart. Tu organises un spectacle, charité bien ordonnée? Oui, et pour te prouver l'étendue de mon désespoir, j'ai été jusqu'à t'inviter. Et je pour sais. Me prouver l'étendue de ton inaction, t'as oui. accepté. J'ai rien à faire, moi je suis jamais occupé. Fait que... Mais je te remercie en passant. C'est quoi le concept en gros? C'est un show des Porn Flakes. Les Porn Flakes invitent toujours des chanteurs et des comédiens. On fait ça au Métropolis, on remplit le Métropolis. Tout l'argent va au Club des petits déjeuners et à la Fondation du Dr Julien qui opère principalement dans le Chagas Maisonneuve et Côte-des-Neiges. Et dans les deux cas, c'est pour les enfants défavorisés. Là, vas-tu encore nous faire la chanson de Plastique Bertrand, là? Non, je l'ai faite juste une fois. Okay. Tu vas nous faire quoi? Un teaser là, pour que... Ben, écoute, je le sais pas, j'ai le choix entre 8 ou 9 tonnes. On s'en garde pour le rappel arrangé, là. Ben oui, c'est important. Oui, mais... Regarde, moi, j'ai monté 33 tonnes avec les Power Flakes, fait que... OK, on est capable d'en prendre. Oui. C'est plus les gens qui sont pas capables de prendre 33 chansons de moi. T'es rendu sur Twitter, là? Et... Oui, ce qui me sert énormément dans mon travail, c'est que je suis abonné à peu près à tous les grands réseaux d'information. Fait que je lis le journal maintenant comme font bien du monde sur Twitter, en lisant une nouvelle du New York Times sur tel sujet, en allant voir ce qu'ils disent à Paris de la même nouvelle. En suivant le monde, intéressant. Ça, j'adore ça. Et le dimanche, tweeter avec les gens qui regardent Tout le monde en parle, je trouve ça intéressant. Toi, tu fais les interviews avec tout le monde, là. Faut même que tu te tapes les revers potins, tout ça. C'est quoi la question qu'il faut pas poser à Guillaume Lepage? La question que si tu te fais poser, là, tu t'en vas. As-tu une anecdote? Ça, je trouve, c'est la question de loser. Une anecdote, là, c'est comme une pipe. Faut pas que t'en demandes, faut qu'on t'adonne. C'est bien clair pour moi. T'es quand même la personne au Québec actuellement qui est une personne qui fait une émission qui est la plus écoutée en plus dans le volet social. Pourquoi on t'invite pas pour parler de ça? Le nouveau Chum, tu dois avoir une opinion là-dessus. Les Bixi, tu dois avoir une opinion là-dessus. Moi, j'ai une opinion sur ça. Moi, j'aimerais ça être invité à Tout le monde en parle. Pose-moi toutes les questions les plus chiennes que j'ai posées en 6 ans. J'ai une réponse comme ça. Et probablement discutable et controversée. Là. Je ne suis pas du tout dans le consensus, moi. Pas du tout. Le public pose des questions. Manuel Légaré, 2 films à tourner. Tout le monde en parle cet automne. Un enfant, es-tu workaholic? Non, parce que l'enfant m'a pris 5 minutes à faire, donc c'est 5 minutes quand même? C'est ben non, mais je me suis concentré. Oui. Les deux films, il y en a un qui a été présenté il y a 4 ans, là, qui a été présenté il y a 2 ans, donc au moment où on se parle, les deux films auraient pu être tournés ou seraient encore à tourner. C'est un malheureux concours de circonstances. Fait que t'as une vie, là. On s'inquiète pas pour toi. On en parle, c'est 6 mois par année. Le 6 mois qui restent, je fais ce que je veux. T'sais. Et l'année passée, j'ai rien fait. Autre question du public. Pierre Ouimet, sans doute parent avec Daniel. À quelle question ne donnerais-tu pas aucune réponse?
commenter des potins à chaque fois que je dis me concernant ou concernant les autres, je sais pas de tes affaires. C'est ça te calisse de savoir ça. As-tu eu des paparazzi dans la salle d'accouchement, avec ta blonde? As-tu eu des téléphones? Non. Oui, il y en a eu, paraît-il. Mais moi, exemple, là, si j'étais sorti de l'hôpital et il y avait eu quelqu'un avec une caméra. Là, ça existe au Québec, ça. Oui, mais tu aurais eu une belle shot parce que tu aurais vu un siège de bébé revoler dans la face d'un caméraman. Ça, c'est ça. Je trouve ça loser. Mais vraiment. Mais il y en a une couple qui tourne en première page, pareil. Oui, mais je les trouve loser. Et comme on est dans un petit milieu, je note leur nom. Ces personnes-là qui vont toujours avoir plus besoin de moi que moi de l'inverse. Ben, eux autres, je leur parle plus jamais. J'ai une petite blacklist là, qui n'est pas très longue. Peut-être quelques noms, mais ces personnes-là, ils ont raté tout ce que toutes les autres ont eu. C'est réglé. Merci, Guillaume, d'avoir partagé ce nom hot dog avec nous. Ça fait un plaisir. Ce fut un plaisir de ne pas manger de la charogne avec moi. Et on se boit le vin en faisant jouer de la chenoute pour toi. Oui, au Métropolis. Merci. De l'excellente chenoute. Un peu comme ça, finalement.